approvisionnement en gaz, Albares a reçu des garanties de la part de l'Algérie. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération, José Manuel Albares, a déclaré ce jeudi avoir reçu des garanties de la part des autorités algériennes pour l'approvisionnement de l'Espagne en gaz. À quelques jours de l'expiration du contrat du gazoduc Maghreb-Europe, GME, liant les deux pays via le Maroc, Albares s'est rendu en Algérie jeudi pour aborder cette question avec les autorités du voisin de l'Est. Selon EFE et l'agence APS, le chef de la diplomatie espagnole a assuré à la presse que les autorités algériennes garantiront la demande espagnole de gaz naturel. Il est devenu clair que l'Algérie va transférer le gaz nécessaire à tout moment pour que la demande soit parfaitement couverte, a-t-il assuré à l'issue de sa rencontre avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Une réunion à laquelle ont également assisté les ministres algériens des Affaires étrangères, Rantan Lamamra, et de l'Énergie, Mohamed Arkab. Le 26 août dernier, le ministre algérien de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a annoncé que l'ensemble des approvisionnements de l'Espagne en gaz naturel algérien sera assuré à travers le gazoduc Medgaz, qui relie Beni Safa à Almeria à travers la Méditerranée. Une déclaration qui annonçant le non-renouvellement du gazoduc Maghreb-Europe, GME, qui traverse le Maroc et qui a jusque-là inquiété l'Espagne, car la privant de 7% de ses besoins en gaz.